Puis nous aurons pas la chance de faire du PVP parce que je m'en fous. C'est lui l'assassin? Valna. Je sais pas, mais tout le monde va lui sauter dessus. Ça va le calmer. Voilà. C'est comme ça se passe. Aujourd'hui, nous allons faire. Putain. Est-ce qu'il vient vers moi? Non, il en a rien à foutre. Très bien. Cric clank. Oups, pardon, excusez-moi. Avec une. En équipe de famille. Et le truc, c'est qu'il est extrêmement soumis à la RNG. Un point où ça décide de tout. Alors, le principe de la RNG, c'est simple. C'est comme dans la vie où il y a des choses où vous faites tout bien, mais ça marche pas. Sauf que là, c'est des chiffres qui décident pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui décide, il n'y a pas d'éléments. Voilà. C'est le principe de la RNG. Et vu que je l'ai mauvaise, eh bien, on va le faire quand même. Alors, pourquoi il est RNG? Premièrement, son démolish. 50% de chance de toucher. Là, s'il me touche, c'est pas grave. Deuxièmement, s'il fait 2 ou 3 étincelles, sachant que la deuxième, par contre, fait forcément mal. Oui, bon, ça, c'est un... Ça, c'est de la RNG normale. Cependant, il y a des fois où ça, cette RNG... cette RNG, donc, va décider de tout. Pour lui, c'est le cas. Il faut savoir qu'au tour 5, quoi qu'on fasse, il fait son repair. À ce moment-là, on a plusieurs choix possibles. Évidemment, ça a sa chasse, hein. Brick, ça y est. Pourquoi c'est qui s'allie? Oh, il me fait pas de critique. Très bien, c'est safe, alors je vais d'abord faire ça. Voilà, maintenant au moins il a pu le faire ça. Ça va bien se passer. Voilà, on lui fait 365 à chaque fois. Ça aurait été beaucoup plus marrant avec le poison. Mais vous voyez bien que ça se passe vraiment bien. Je rappelle que c'est un boss. Ça, j'y aurais oublié. On sait qu'on a 50% de dégâts de moins, mais là, il faut pas trop le voir. En draconien, je me souviens que ça commençait par un Yula. Il faut que je regarde mon portable. J'ai pris mes notes. Yula, c'est sûr. Ensuite, il y avait Nightmare. Non. Helpling. Et enfin, il y avait. Ah oui, Blue. Un truc. Qui est plus rapide que lui. Ok, c'est parfait. Et là, c'est un setup un peu particulier. Je voulais qu'il me touche. Bah, c'est parfait! Oui, oui, oui. Alors ça se passait bien jusqu'au coup critique, si vous voulez. Le coup critique était de trop. 4% de chance que ça arrive quand même. On recommence. C'est pas le setup que je veux. Je sais, c'est bizarre. Je veux qu'il me tape. Mais c'est pas Mazo, c'est pour lui piquer sa vie. C'est comme si vous demandiez, c'est comme si vous attendiez avec quelqu'un. Frappe dessus pour lui piquer son portefeuille, s'il vous plaît. C'est une valeur plus importante que. Et
c'est pas vrai, mais c'est quand il faut qu'il me touche, qu'il me touche pas. Ça va être l'inverse après, c'est ça. Coffre, alliance assassin. Il est en l'air, à un moment il va se poser. Mais c'est pas vrai, oh là là. Mais c'est au moins la cinquième fois là. Ah, quand même. Deux, trois, vous voyez, pas de critique, je survis. Hein. Oula, ça part à la chasse, hein. Nous, tour combien? Tour 3. J'ai encore un tour. Donc qui commence ses soins. J'aurais dû faire l'inverse. Bon, là par contre c'est plié. Orphan. Là par un coup critique, il n'y avait rien pour le sauver. Putain, mais. Allez! Y'a pas que la souris qui bug, y'a aussi le jeu, hein. Orphan. En plus, il est derrière moi, bah, dis donc. Alors lui, ce qui est marrant, c'est que si on a vraiment beaucoup de chance, on peut le soloter avec lui. Avec l'orphelin, vie du truc. Je jure. Safe, vous en faites pas, il suffit d'interrompre le soin, c'est ça le soin du jeu qui marche comme ça. Là c'est juste pour être safe, je fais ça. Bah en fait j'étais safe quand même, bon bah tant pis. Ça a plus de value. Voilà, voilà. Ici, on prend pas, de risque. On fait confiance à Woolit. Pour ceux qui connaissent la pub. Ne prenez pas de risques, faites confiance à Woolit. Ça ne dit rien à personne.
N'en faites pas, ça va bien se passer. Ah, c'était peut-être ça le truc. Non, mais là, j'ai joué pour rien. Je vais quand même essayer. Mais je pense que c'est peine perdue. C'est-à-dire que là, la Valkyrie n'aura servi à rien, pour ainsi dire. Ceci dit, c'est une très bonne occasion. Wow, 760. Il avait faim. Non, mais ça passe. Même s'il m'avait touché, je l'aurais buté. Avec 125% d'augmentation de dégâts, faut pas déconner. Ensuite, Feldclaw. Et j'avais pris quoi? Je sais plus ce que j'ai. Ah non, un fjord. Le rat du fjord. Avec un J-fjord. Rat. Il y en a plein, merde. Bah, le plus rapide que lui, c'est le SS. C'est sûr. Non, 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 le SS, merci. Et le Regid. SS aussi. Tout simplement parce qu'il est plus rapide. Aïe. Fallait pas rêver. Non, là j'ai mal joué. Bien sûr, grâce à l'RNG, ça peut passer. C'est pour ça que j'ai essayé quand même. Ça n'a pas l'air de passer, mais de toute façon, il fait son soin. Non, ben, j'ai mal compté. Ben, c'est pas grave. J'ai mal agi. Je le reconnais. Une autre façon de procéder, c'est de tenir jusqu'au tour 5. C'est safe hein, comme ça. On recommence. De toute façon, il ne fera pas son soin avant longtemps. Le but étant simplement d'avoir ça d'appliquer. Le fait de lui faire perdre des points de vie, c'est bonus, hein. Ouille! J'ai mal. Oh, voilà, vous savez où.
Aïe. Un rien près, ça passe pas. Je rappelle que tout est dérangé, alors tant qu'on tente pas, on sait pas. Oui, c'est joué normalement ça. C'est aberrant, mais bon, écoutez, c'est comme ça. On switch rapidement. On va y arriver. Lui non. Ah. Non, en fait, si m'avait, il ne m'aurait pas tué, et même s'il m'avait fait un coup critique, j'aurais eu une dernière mascotte. Donc il n'aurait peut-être pas tenu, ceci dit. Et voilà. Ensuite, enchanté de torche. Enchanté de torche. En switch. Ouf. Là, ce serait bien qu'il me tue. On va essayer différemment. Ça passe en prio. Ça passe en prio. Eh ben, je suis content que c'est passé du premier coup, dis donc, parce que je vous jure que c'est difficile à trouver. Putain, mais elle va te faire foutre, toi.
je fais sans les boucliers pour un shaman, c'est un peu débile. J'ai vu pire. Alors lui, hein, avec cette équipe, il est marrant. Parce qu'il se soigne. J'ai toujours rêvé de voir le délire comme quoi il renaît de ses cendres. Ah, bah déjà, il faut recommencer. Il renaît de ses cendres pour tout subir une deuxième fois. Je trouverais ça glorieux, mais alors vraiment glorieux. Malheureusement, comme j'ai dit, tout était RNG, et bah, en lui-même, il est fun, mais il a des choses RNG. Et les RNG, bah, c'est pas fun. On recommence tout ça. Faudrait pas qu'ils s'en sortent quand même. Et on en rajoute une couche. Bah dis donc, il me rate. C'est bien dommage. Bon, malheureusement, on n'aura pas le temps de le revoir faire sa deuxième. Oh, quoi, je veux le voir faire ça, moi. Je sais plus ce qu'il fait maintenant. Je crois qu'il se répare. Non. Bah tant pis pour lui. Dommage. Au revoir. J'ai tué le fun. Malheureusement après le fun m'avait tué quand j'avais essayé. Mais ça c'est sans importance si vous voulez. Mais non, mais il faut te faire foutre sérieusement. Là par contre, ici nous touche, il nous one shot. Donc ça déconne zéro. Mais pour le reste, ça va. C'est-à-dire que là, il nous one shot pas. Là encore une fois, si nous touche, il nous one shot. C'est-à-dire ça fait plus de 2237 de dégâts. Voilà, 1602. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Aucune incidence sur quoi que ce soit, il n'y a que le premier tour qui compte. Il ne faut pas qu'il nous one-shot au premier tour, c'est tout. Non, il faut s'en réparer, vous voyez qu'à aucun moment il n'aura le temps de le faire jusqu'au bout, quoi. Par contre, on est en bête, donc on peut pas faire comme un LM. Voilà. Ensuite, en aquatique, donc on a de toute façon Geyser. Cheater Spine. Golden Otter. Golden... Oui, Golden Siver, c'est bien. Civet. Et tiens, il est mort là-bas. Je sais plus. Je crois que de toute façon, ça va couper son stun, son
son soin. Ah, j'ai pas pris les bons trucs. Excusez-moi. Livre noir, SM. Aucune forme d'importance. Mais par contre, il faut pas qu'il nous bute en un coup. De toute façon, il nous aurait pas buté en un coup, mais bon. Ça, si vous voulez, c'est risqué parce qu'il me touchait deux fois et ensuite qu'il me touchait avec les moulins, j'allais tout recommencer. Là, il y avait aucune chance, mais voilà. S'il m'avait tué, après la civière aurait pris le relais, ça aurait fait beaucoup plus mal. Là, il va pouvoir se soigner et en gros, c'est réglé. Donc, on va pas directement passer à la suite. Comme quoi, les RNG étaient plutôt avec mon Expose Advance. Voilà. Sun River et le dernier c'était le mechanical. Mechanical cockroach. De toute façon, il peut pas nous buter un coup. Ben, encore un comme ça, disons. N'oublions pas que c'est au tour 5 qu'il fait son truc. Tour 4. Je sais pas, c'est ça. On l'immole et ensuite on switch. Ah! Ah, j'ai oublié de le ralentir comme un con. Excusez-moi, c'est ma faute. Bah là, il faut espérer qu'il me touche pas deux fois. Bah, il faut refaire. Il a eu beaucoup trop de chance. La souris, excusez-moi, ma souris fait n'importe quoi. Voilà, merci. Et B. Ouais, bah cette fois je suis tranquille. Ouais, non, j'ai encore fait de la merde. C'est pas grave, on va essayer comme ça malgré tout. Je pense pas que ce soit une bonne idée, très sage.
Cependant, ça peut marcher. En fait, ce que j'étais censé faire, c'est interrompre son heal. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai mal fait. Bon, en tout cas, ça marche, mais c'est de la chance, c'est tout. C'était pas censé marcher. Quoi qu'il en soit, Click Rank, c'est fait. Il a une RNG très marrante, surtout en élémentaire. On va pas essayer de la refaire. Ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, c'est fait. Et ce qui est marrant, c'est quand justement il se soigne et qu'on le retabasse derrière, c'est-à-dire ça permet, ça donne un sentiment de toute-puissance avec un pauvre truc qui est le premier à réussir à encaisser ça jusqu'au bout. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Des bisous.